Deuxième lundi mois de janvier 2023, c'est à fin mandat tout sénateur qui en deux parlement actuellement là. Mais il y a une action passée un jour avant mandat tout sénateur t'a fini qui est au nombre de 10. Zami internaute, bagay yo pa piti du tout. Politique en Haïti très glissé et c'est moun qui pi fin yo. C'est moun l'esprit yo pi clair. C'est moun qui a réagi à tête posée qui va comprendre ça qui a passé là. Deuxième lundi mois de janvier. Ramené fait mandat tout sénateur yo, pas oublier, pas gué député. Et Ariel là, li déjà monté illégal sous pouvoir et l'a prêté illégalement Jean-Wel l'a déroulé le bras là et c'est rêve li ça. D'ailleurs, ou t'es même temps de Paul Géo Jean-Baptiste qui t'a expliqué que Ariel Henry a prêté sous pouvoir jusqu'à 7 février 2024. Étant donné que qu'on y a là, journée aujourd'hui à la côté n'a parlé à l'accès 9 janvier 2023. Pas de sénateur encore, Ariel Henry va ériger tête li comme roi. Mais t'as pas gagné un sénateur qui t'a pas campé en face Ariel Henry. T'as pas gagné un sénateur qui t'a pas fait un lobby dans la radio. Traîner Ariel Henry dans la justice, et bien ça qui passe, il prend 3 balles sur Bissotnet. Restez là parce qu'on va jouer un détail. Notre titre qui pas trop long. Politique ici, très glissé. Depuis la nouvelle la tombée, les amis internautes qui envahissent tous les réseaux sociaux, Joe Biden ouvert porte pays États-Unis pour tous les migrants qui pas haïtiens seulement, mais qui ont plusieurs autres types de nationalités qui t'avaient rentrer dans le pays États-Unis. Qui s'agit des décisions, les amis internautes? Pour qui raison Joe Biden, c'est qu'on y a même li décidé entamer type de réaction sa yo, entamer type d'action sa yo, quand elle va recevoir dans le pays États-Unis 3000 migrants chaque mois cap entrer dans le pays ya, avec un visa de l'année. N'après les yon expert pour le capable vin ban tout détail, rete connecté ou même qui t'a remé rentrer dans le pays États-Unis et puis ou manquer détail sous sa Joe Biden va le faire là sous bon comprendre une stratégie ça qui politique qui diplomatique et qui en termes humanitaire ou rete là parce que ou bal gen détail ou bal gen plus causé nan men rete branché amis internautes. Pierre Espérance amis internautes, dossier monsieur ap envlimé a monté de plus en plus chaque jour qui joue parce que bagaille compliqué pour Pierre Espérance. Chelson Sano, c'est non yon nèg que Pierre Espérance te mette dans prison. Avocat débarqué dans conférence de presse, li bral montrer comment Marie-Hélène Gilles qui c'est responsable FJKL qui c'est un réseau droit moun tout avec Pierre Espérance qui fait partie de RNDDH a violé droit moun zami internaute. Chelson Sano gen 10 en prison. Tandis que, monsieur lui-même, il n'y a pas de preuves tangibles, puis il a été mis en prison. Et Pierre espère jouer tout contact li avec Marie-Hélène Gilles pour faire Chelson Sano rester dans la prison. Puis plus, rester branché parce que nous allons gagner des détails, rester branché parce que nous allons gagner causer. Dossier pasteur Armel Lafleur, bagayon a monté pire de jour, je vous amis internautes, parce que Jacques Lafontaine, matin à la 9 janvier 2023, là, la prétendue pasteur à nos parquets, s'il pas présenté grand pile bagaille qu'a préparé pour lui. D'ailleurs, n'a pas rappelé pour les amis internautes, ministère des cultes guettant retirer licence pasteur pour aux affaires de 5 l'année, côté le pape qu'a exercé métier pasteur, côté le pape qu'a monté cher, la porte étroite pour le capable enseigner fidèle. Et cependant, et Jacques Lafontaine lui-même l'a prêté tonne, pasteur Armel Lafleur. Étant donné que monsieur a gagné interdiction de départ contre lui, étant donné que retirer licence monsieur kounya là, est-ce que pasteur Armel Lafleur encore une fois bral boudé invitation Jacques Lafontaine? Rete connecté parce que nous bal gen détail non petit moment qui pas trop long. Mais pendant toujours sous même dossier pasteur Armel Lafleur la semi internaute, faut que moi dire que go ouga qui ouvert porte li bien large pour pasteur capable rentrer. Li dit que si
Et mais ministère des cultes, fédération protestante, cap écoute pasteur lui-même, et ligue 5 ans que le pape exerce métier pasteur, eh bien, pour pasteur Armel Lafleur, pas trop ennuyé, pour le pasteur Tiké lui-même, ligue jeté de la société, eh bien, secteur vaudois, ouvre porte li bien large, pour le cap recevoir pasteur Armel, est-ce que nous allons parler de Ouga Armel Lafleur qu'on y a là? Nous pouvons connaître, mais nous allons venir avec témoignage, Ouga ça, eh bien, qui décide, pour le capable recevoir pasteur Armel dans le secteur vaudois. Merci parce qu'on est là. Merci parce qu'on est abonné avec Chanel là. Merci parce qu'on est like la vidéo. Merci parce qu'on est quitté un petit commentaire. Fait que nous content, fait nous plaisir. Non, Chanel là, c'est Tax 69. Tout a été connecté. Merci parce qu'on connecte avec nous. Merci parce qu'on remet nous. Merci parce qu'on supporte nous. Merci parce qu'on toujours fait façon pour capable développer communauté noire. Non, pas c'est considérer qu'il love. Toujours même l'amour, même fou, même détermination, même motivation. 2023 fois puis oui et puis coupé. Le temps de la pause, mesdames et messieurs, restez branchés, restez connectés. N'ap tourné pour qu'on vienne développer toute reste information ça y est. Merci parce qu'on toujours été connecté avec Chanel de prédilection là. Tax 69 à tout haïtien connecté. J'aime tab di nou l'tale à zami internaute. Jodi a c'est 9 janvier 2023. Deuxième lundi mois de janvier. Zami internaute nous toujours connaît que ça rappelait un pile bagay. Manda, tout sénateur qui pas d'ab j'aime régler en dedans parlement yo a fini matin en la même. Et ou maître Tétan, boal gen un communiqué de la primature qui boal sorti là, qui boal dit que manda tout sénateur fini, eh ben yo pap ka exercer mandat yon encore. Mais question que vous posez matin, est-ce que t'es sénateur en de parlement toujours? Ah oui, m'a dit ça très bien. Deuxième question qu'on va le poser moi, est-ce que parlement toujours bicentenaire, tandis que ISO a fait la pluie et le beau temps en bas? M'a dit assurément, parlement pas changé adresse, toujours gué 10 sénateurs qui retournent dedans, et ben qui est sous bicentenaire là en dedans parlement. Mais l'autre question qu'on va le poser, ou va le dire aussi ça qu'a passé comme ça, est-ce que 10 sénateurs ça yo, est-ce que tu prends responsabilité pendant que tu es là? M'a dit très bien comme réponse. Même les sénat est complet, nous moun sa yo pas jamais prendre décision qui gagne à faire ou pays. Pas oublier le Sénat, il est toujours là pour le capable régir des lois, pour le capable garder le bon contrôle et des événements, le bon contrôle et ben du gouvernement, le bon contrôle de des décisions du gouvernement. Et ben Sénat ça pas jamais réglé en un sérieux. Même à fond petit rappel pour vos amis internautes. Gon liste que Nations Unies par le biais des États-Unis et de Canada sorti des séries de noms, des séries de sénateurs qui n'ont mauvais affaire qui en dedans parlement, ça veut dire ou vin comprendre ça qui a passé à là. Eh bien dans liste de moun sa yo, te gen non sénateur Ronnie Célestin qui était impliqué dans dossier Baizam corruption et bien garder financer bandi supporter bandi gen non Gracia Delva qui cité dans bagay ça gen non sénateur Yuri Latorti et bien gen non et bien sénateur Joseph Lambert qui tombé dans dossier ça là et c'est là ça me vient comprendre pas jamais gen sénateur en dedans parlement c'est depuis tout c'est water elle a rappelé nous qui ça donne carton te fait en dedans parlement côté que monsieur t'a commandé un camion de matière fécale pour la pétirer parlement d'ailleurs il t'a trouvé que parlement t'a manqué pétirer donc il t'a pétirer parlement avec poupou et ben sénateur poupou ça la même c'est toute bagage ça aucun songe en dedans parlement mais pas oublier que mandat est fini et nek ça c'est coquet que yo yo pas quitter pouvoir comme ça. Et étant donné que yo toujours vin avec on l'idée que c'est élu qui remplacer élu, yo pensé que après la mort de Jovenel Moïse et n'a toujours rappelé pour c'est Sénat, c'est le parlement au complet. Quand je dis le parlement, la Chambre des députés et le Sénat qui poussait Jovenel Moïse tomber côté qu'elle tombait à là jusqu'à ce qu'il arrive assassiner lui parce que yo pas de jambe dans ses collé, pas de jambe collé tête yo avec Jovenel Moïse. Yo t'ai pensé que c'est critiquer président qui tape seul et ben solution pays d'Haïti. Yo te pense que c'est monter mouvement contre et ben gouvernement qui était en place là qui tape le fait que et ben yo même yo gen valeur dans la société. Étant donné que nek sa pas jamais fait rien pour changer pays ya,
bien, yo te pensé que yo même yo t'a vinn président pays, c'est peut-être ça président Sénat Joseph Lambert, eh ben li pas jamais aider Jovenel Moïse dans rien de sérieux parce que li te besoin pour Jovenel Moïse tomber et pour lui même en tant que président du Sénat pour le prendre place li. Après la mort de Jovenel Moïse, gan pile bagay qui vinn changer, gan pile bagay qui vinn comploter là qui vous ne faire comprendre que eh bien que Joseph Lambert Paca est vinn président eh bien de la République avec l'arrivée d'Ariel Henry au pouvoir en tant que premier ministre, mais son premier ministre mi internet qui remplit toute fonction qui existait d'ailleurs l'élite le ministre intérieur là, c'est lui qui jouait rôle de président en absence de don monde correct pour être capable eh bien vinn à la tête eh bien de pays qui pour vinn installer dans palais national. Eh bien Joseph Lambert a fait rondon mot, t'a voyé pied n'a songé tout septembre octobre là. D'ailleurs il dit que le bois réuni d'ailleurs tellement même mot qu'il était utilisé à underground ensemble avec des séries de moon en dedans parlement pour être capable à le remplacer ou du moins jeter Ariel Henry. Et bien les listes Canada États-Unis fin tombé dès un retrait qui fait de Joseph Lambert et de plusieurs autres sénateurs qui étaient en dedans et ben parlement. Et les bagailles la vide passé à là, n'a pas songé que les mandats députés avec les sénateurs t'es fini. Nous songe tout parler en pile qui t'est gagné dans radio, dans télévision, cap dit do et le mandat des sénateurs et n'ont pas encore pris fin, le mandat des députés n'ont pas encore pris fin, c'est Jovenel Moïse qui voulait rester sous pouvoir pour le cap faire dictature, c'est lui qui veut se faire anarchie, c'est lui qui dit, c'est lui qui date jusqu'à ce que n'a pas rappelé que Bagalatal discutait en dedans tribunal côté que Jean-Renel Sénatus t'est presque prend loi en dedans tribunal là. Nous songez tout dossier ça aux amis internautes. Eh bien, je baga la vin passe à là, je m'attends là, ou t'es capable de brancher radio, ou t'as pas le tende, yon est qui t'a pas parler, qui c'est Joseph Lambert, président Sénat, pour le cap dit Ariel Henry que mandat pas fini, li t'a supposé toujours été président Sénat, li t'a supposé dit, li t'a supposé date. Eh bien, à nouvelle la tombée, à hier dimanche, 8 janvier 2023, côté Joseph Lambert, pendant le tenant réunion, en dedans par l'a sorti bien plusieurs nèg armés l'ouvri coup de balle sous ancien sénateur parce que je dis à l'alba sénateur encore ancien président Sénat Joseph Lambert côté monsieur prend 3 cartouches et actuellement la bagaille pas bon pour lui du tout. Calambe grave, calambe exagéré, calambe vraiment compliqué. N'a demandé est-ce que Lambert lui-même l'a chappé dans dossier si là, mais n'a rappelé que si Joseph Lambert te kon a financé gang en dedans pays, si Joseph Lambert te koné al te kon al bay et ben des de balles avec zam en dedans ghetto, si Joseph Lambert là que l'ital décidé pour ta vin et sénateur de la République et ceci à plusieurs reprises, c'est mettre gang et pour te capable gérer élection pour te gagner élection, eh bien Lambert vin victime de même saleté qu'on a créé. D'ailleurs, les États-Unis et le Canada est clair sur cela. Joseph Lambert, c'est un moun qui mettait Haïti dans niveau salier là. Si Joseph Lambert, c'est un moun, une personnalité publique, une personnalité politique, une cerveau que pays a été capable sous lui, mais malheureusement qui choisit fait tout moyen possible pour cap gangsteriser pays. Et puis sont entendu là, l'autre donne radio les sécurités. Donc cela ne doit pas rester ici. Donc nous avons un plan et il faut que la police et l'armée d'Haïti doit être à l'œuvre. L'autre des Français ça repasse quelque part c'est cap régler pour que c'est même yo même qui cause pays d'Haïti rivé dans niveau ça là, qui cause que pays d'Haïti gangsterisé dans niveau ça là quand on a parlé à là. Eh bien, comme eh bien Joseph Lambert pas de jamais fait rien pour te ka tirer gang isok tout près là là, comme li pas fait rien pour te capable voter une loi de sous la sécurité pour capable chercher moyen pour résoudre problème pays là. Eh bien Joseph Lambert lui-même li couché sous cabane d'hôpital avec 3 balles nan kolèt li, mais n'a prêté tant qui ça. L'autre nouvelle yo à pied, est-ce que Joseph Lambert a sorti parce que
Selon toute dernière information que nous avons, monsieur grièvement blessé, gen moun ki gravement blessé, gen des moun c'est l'homme et Joseph Labé après tant mais font poser, il est encore tôt et nouvelle la poko tombé. L'autre information zemi internaute, bagayo compliqué pour pasteur Armel Lafleur. Après que pasteur t'es décidé fait tout moyen possible pour pas répondre question la justice t'a vienne poser le commissaire Jacques Lafontaine t'a relé monsieur t'es fait tout moyen possible pour pas te présenter dans ministère des cultes pour te venir répondre question de toi moun fédération protestante relé pasteur al fait maintenant figure eh bien yo t'es venu mettre tout bagage ça en l'œuvre. Yo te mette interdiction de départ contre le monsieur pour le pas parti. Eh bien, yo retire licence monsieur pour le pas prêcher sous chair, pour le pas aimer exercer métier pasteur dit tout pendant 5 ans. Et matin là qui c'est 9 janvier 2023, commissaire Jacques Lafontaine a prétendu pasteur Armel Lafleur en al petit briefing dans mes commissaire qui d'ailleurs aux lunettes noires. OK, lunettes noires dans et commissaire laissez pas petit chapeau ces lunettes noires en al regarder en al tendez commissaire Jacques Lafontaine sur dossier ça. Moi j'ai écarté demande de 15 jours pour être capable présenter devant parquet. Moi vois une nouvelle convocation par pasteur pour lundi cap 10 janvier 2023. Donc la vini en bonne et due forme pour capable expliquer tête li de comportement affiché et qui réprimé par la loi. Alors nous capable jusqu'à présent pas gagner cap que lui va présenter. Écoutez, j'ai expliqué hier devant les écrans de téléphone nous et que le commissaire du gouvernement agit sur la clameur publique et c'est-à-dire que aspect outrage public là me prend c'est pour moi mais la personne qui dit par contre c'est petite lui moi me dis son fidèle il n'a pas porté plainte car c'est elle qui est frappée qui est blessée dans sa pudeur. Donc en cela, Mbaka m'a demandé d'amener d'elle. D'accord? Et la loi dit, en matière de délice correctionnel, la détention n'est pas obligatoire. En plus, l'article 30 du CIC dit, la clameur publique n'est pas en présomption suffisante pour mettre mandat d'amener d'elle au monde. D'accord? Donc en cela, et moi, invité à nouveau. Et dès lors que le présenté, m'a saisi tribunal correctionnel par citation directe et donc capable de répondre de ça et reprocher par devant le juge correctionnel. Jusqu'à présent, capable de dossier à traiter en toute professionnalisme. Dossier à traiter en tout avec tout professionnalisme que ça gagne. D'accord? Moi-même, c'est avocat société. Ce qui réprouvait moi, qui révoltait, quoi tout le monde d'ailleurs, mais faut me faire application droit et loi. Moi là pour application de la loi. Voilà. Et commissaire Jacques Lafontaine, réaction li, sous et relé que le bras relé pasteur Armel Lafleur et la justice matin là, lundi 9 janvier 2023. Mais d'autre part, faut que nous disions ça, avocat Armel Lafleur décide de parler. Amoka Armel Lafleur expliquer en détail que commissaire Jacques Lafontaine pas aucun droit pas du tout pour le capable mettre interdiction de départ contre pasteur d'ailleurs yo pas entamé les procédures légaux pour être capable reler pasteur Armel Lafleur la justice on a suivre avocat ensemble avec moi très très bien et puis après n'a tourner une faire analyse pas aller dans première invitation hein. C'est pas parce que pasteur Armel a enfreint la loi ou quoi que ce soit, mais nous pas aller de préférence parce que alors nous avions reçu l'invitation de façon brève. Nous recevons l'invitation le 3 vers presque midi pour demain 4 à 10h. Mais faut ne pas oublier tout pasteur Armel avant tout est un citoyen. Il y a un agenda, il y a une activité que l'on a préparée. C'est sûr que difficulté est
te permettre que le pat ka vini en plus de brève invitation, hein, te vini gen encore indisponibilité de ses avocats. Et c'est un droit que li gagne que qui garanti par la Constitution haïtienne dans son article 25.1 qui dit que on ne peut interroger personne en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Ça revient à dire que avocat pas disponible malgré que il te veut faire sacrifice pour te annuler toute activité pour le dans l'invitation, hein, mais avocat pas disponible pas qui pas permettre que le capable aller. Et par conséquent nous-mêmes dans conseil avocat nous t'es obligé mander la justice commissaire du gouvernement un report de invitation ça et qui garantit encore par la loi qui ban nous droit pour nous faire ça. Et tout de suite après nous vinn ouais que commissaire là émet une interdiction de départ en violation de la loi et que nous-mêmes n'a suivi plus que pasteur n'a pas gain aucune intention de déplacer ou voyager non juste pas réagir sous lui pour kounya. Mais une bagaille m'a alerté l'opinion publique, c'est que déjà le commissaire du gouvernement maître Jacques Lafontaine il commençait très mal dans le dossier, il enfreint la loi en mettant une interdiction de départ contre le pasteur Amel Lafleur de façon illégale. Par conséquent il voyait yon correspondance by le ministère des cultes nous te comprendre stratégie a et que le ministère des cultes effectivement prend une décision non ta capable di une décision rapide une décision que nous pas comprendre du tout parce que le ministère des cultes est tellement pressé non pas qu'à même imaginer ça parce que le convoquer comité exécutif l'église là comité exécutif l'église aller même gens pasteur Landry tout à l'heure yo pas dit rien. Et puis tout de suite après, malgré le dit, nous avons une autre rencontre de travail avec lui. Et là, ça la prend décision. Nous, le comité arrivé là, après quelques heures, il voyait ça que le voyait. M'a dit tout avec opinion publique, parce que déjà, faut nous mettre ça dans la tête. Nous, l'article 13 du décret du 18 octobre 1978, by ministère des cultes, c'est certes prérogative pour lui prendre des sanctions contre. Yon ministère religieux assermenté, un ministre religieux assermenté pour des questions administratives. Et m'a tout dit directeur sous France, il m'a retiré ça dans tête, il pas capable empêcher pasteur Amel Lafleur qui c'est client, il pas capable empêcher et exercer ses activités ministérielles. Ça c'est clair parce que la loi pas bal prérogative ça. Par conséquent, Jacques Lafontaine voyait une autre invitation, c'est pour, comme on dit, pour demain. Normalement, nous-mêmes, nous sommes des esclaves de la loi. Pasteur a fait tout ça qui dépend de lui. Et nous-mêmes, dans le conseil, on a fait tout ça qui dépend de nous. Pour mener Pasteur à bail commissaire au gouvernement, pour nous connaître qui sa commissaire au gouvernement a pour deal, qui sa lui reprocher. Et encore une fois, je dis l'opinion publique. Dans une infraction, il y a trois éléments essentiels qui constituait une infraction. Il y a l'élément légal, qui est le texte de loi, il y a l'élément matériel, qui c'est action, bien sa matière-là, et il y a l'élément intentionnel. Lafontaine, en tant que commissaire du gouvernement, capable de nous clairement, qui ça, est-ce que ça lui reproche, pasteur Amel, est-ce que trois éléments ça a constitué? Et depuis pas gagné. Et avocat pasteur Amel Lafleur qui parlait là amis internautes nous met attend nous avec une grande confrontation matin là et dans parquet si que et pasteur Amel si avocat dit vrai et vini et débarqué en dedans et parquet là parce que il a parlé de enfreindre la loi commissaire Jacques Lafontaine enfreindre la loi bon mes amis y aurait l'homme la justice moun n'a pas décidé de venir, c'est à la dernière minute, il avait dit, oh oui, il faut que vous reportez pour quel jour. D'ailleurs, avocat n'a pas supposé, bail pour qu'il est pour reporter. Il est capable de notifier absence là. Il est capable de dire, il faut que vous reportez séance là. Faut que vous reportez audition. Mais ça fait mettre date qu'on a disponible, date qu'on a pi à l'aise, parce que tout était ça avec la justice. Ok, c'est commissaire Jacques Lafontaine qui a fait une garde
pour le dire OK. Bon, étant donné que ou pas disponible, mais pour qu'il le m'a reporté séance là. Mais pour qu'il est que m'a reporté audition. OK? Et sou pas vini amis internautes, sou pas qui clair. C'est qu'on besoin sauver. Sou pas vini c'est que ou besoin sauver. Et c'est peut-être ça ou mettez une interdiction de départ contre pasteur même si ne connaît que pasteur lui même il était qu'à la virer ces domaines qui sont dans les États-Unis et embarger tout le monde là. Bon après t'étant et ben qui ça et ben dossier ça les mêmes la vini mais et dans même dossier pasteur Armel la zami internaute faut moi dis nous ça gagner yon ougan au Edmond. OK, c'est nos ougan ça qui l'ouvre porte li bien large pour si pasteur Armel te ka eh bien et t'a tombé et ou du moins il t'a tombé en bas section la loi étant donné que ministère dès qu'il gèt retiré permis d'exercer li pour le pas ka monter cher pour le prêcher etc. Eh bien ougan li même li fait comprendre que l'ici que li sentil nuit si que le pas afin trop à l'aise eh bien pas péristyle li très l'ouvri pot secteur vos doigts très l'ouvri pour yo capable recevoir pasteur Armel en a suivre ensemble avec moi déclaration ou gansa. Oui, pasteur Armel il gon gros problème mystique cap frapper pour le moment parce que de pour trahir ou payer ça quand même. Comment vous dites c'est trahir? Bon m'a ba ou commencer trahir. Pasteur Armel c'est un pasteur qui affilié avec loge Roi des Bouquets. Et gogo so dim la oui. Pasteur Armel oui me connaît hein. Tale ou quoi so di arrivé bam moi là encore parce que m'pas bien entendu. Pasteur Armel c'est un pasteur qui affilié avec loge Roi des Bouquets. 2023, I love you. 2023, I love you. Bah, sérieux. 2023, tout vini pour le capable de démentibiler. Tout moun net. Kap bay problème, kap bon parole, kebe, kap monte tête yo pi clé ke lot. Pasteur ça qui kon kampe zami internet. Pour dire qu'on suive live pasteur Armel. Le pasteur Armel campé la prêcher, la frapper secteur vaudou, la frapper secteur maçon loge, la fa... et puis li nan mitan yo, Dieu be koula la pasteur et li trahi. Bon et tant que c'est ça que c'est parce que le trahi a ou gars et Edmond, OK, ou gars Edmond qui fait que l'a fait toute barre ça yo, dis moi plus pas les plus clair. Ça me connaît le fait bien. Mais gende parfois si chodi a pas bouilli pour pas obligé qui met pour lui parce que dans la vie tout monde cherche la vous j'en capable comprendre ça pas intéressé mais pour le moment qu'on y a là c'est avec c'est comme si c'est ça le fait yo qu'a réagir d'elle encore comprendre mais il t'a fait plus mal mais grâce à Dieu il dit bon Dieu merci c'est si simple ça le fait mais il t'a fait plus gros bagaille dans l'église là comprendre ou dit parce que il t'a eu un problème. Bon, si pasteur Armel t'a dit la vienne pas bon côté moi-même porte moi ouvre bien l'âge. Moi prêt pour m'aider parce que ça fait ça. Soit haïtien moi soit haïtien et tout. Parce que bagarre mais comment yo. C'est pas qu'un bio secret. Comprendre? Ça vient ni vivre chercher la vie ou Jean cap chercher mais moi quoi sinon tout au lieu pour nous t'accepter pour ta mettre si tout nous même vos 2 ans au lieu pour nous t'accepter pour ta mettre pasteur Armel en côté pour ta faire 5 ans pour ta faire 10 ans plutôt nous tout ta fond Jean si on t'amène en bas nous t'a coller tête nous ensemble pour nous si nous ta résoudre problème là parce que demain si Dieu veut c'est ça le faire son simple bagarre il fait mais plus gros bagarre là si la boue tête en bas en machine. Nous même. Voilà, créole palais, créole comprenne. Commission Pachaï pour pasteur Armel Lafleur. Si vous avez ou t'as recevé de justesse en bas, mais Jacques Lafontaine matin là, pote ou grand joli mot Edmond, après tant nous l'ouvrir bien l'âge, parce que au lieu pour folie t'apprends.
pour ta lagué tête ou en bas machine dans l'arrière pito et ben ou pour tes têtes ou ba nèg yo coller tête yo ensemble avec ou yo traiter ou yo garder comment ou capable retourner de la normale. Bon ça c'est ou même dossier pour avec ou gayo on a dégagé nous d'ailleurs et goma sologe goyer dans quoi des bouquets on nous quitte dossier ça amis internautes on a l'insolite nous pour journée jeudi a nos affaires est de tout monde tendé Joe Biden boil entrer moun la kayli. Eh bien, y'a le fond de interview avec des séries de moun son quartier en algat premier moun dans saldi. On remet États-Unis. Bête, mais pour que connaître aux États-Unis, mais qu'à m'aider pour m'en faire vacances, après les vacances, pour m'en capable, dis me besoin habiter. Attends, reprenez pour moi, parce que je ne pas fait trop comprendre comment monsieur parle. Comme si moi, monsieur, tout parlait avec accent anglais. Mais ça, mais quand Joe Biden fait tout ça, il s'est fou dans le pays, non? André, monsieur, encore. On remet États-Unis. Bête, mais pour que connaître aux États-Unis, mais qu'à m'aider pour m'en faire vacances, après les vacances, pour m'en capable, dis me besoin habiter. Ah, Dieu, Joe Biden. Quand Joe Biden vient craser bagala de mes mounio. Quand Joe Biden vient craser bagala de mes mounio. Bagay compliqué. Kounya la, l'offin dit ou affin rentrer aux États-Unis pour avoir habiter. Et qui sont besoin encore, qui plan. Qui sont bal faire dans pays a d'ailleurs Haïti pas offrir rien pas vrai Haïti pas offrir rien mon bal offrir ta sinon pile bagage qui sont bal offrir hein here pour qui ça parce que juste moi planter des arbres me planter patates du rire véritable ou planter patates du rire. Bagayo compliqué. Bon, si nous on relé mon Haïti, nous est anglais, c'est le parler avec mais pas faute. You know, il y a tout exercice anglais. Et yo tout dans cou anglais là actuellement là pour comprendre et qui ça ca passer pour yo là. Et kounya là c'est pas là encore c'est l'aim. C'est pas véritable encore, c'est véritable. Et c'est qui ça encore? Et Pickles, c'est Pickles. La gayo compliqué zami internaute mais pendant la palace de société Joe Biden nan, nous gayon expert qui la ensemble avec nous qui va aider nous comprendre comment za fait dossier visa humanitaire de l'année que Joe Biden décide la guerre pour des séries de pays amis qui ensemble avec lui pour yo rentrer dans pays a on a fait de 3000 par mois et ben on a suivre on a attendre et bien et si intervention ça que eh ben yon moun qui très important eh ben dans société américaine mais qui sont haïtiens qui va expliquer nous en détail comment ça y est parce que dans dossier ça il y a des moun qui commencent à raï moun il y a des de moun qui pas à faire avec moun encore OK dans dossier bagaille ça on a suivre ensemble avec moi comment ça y est. Salut tout le monde et c'est maître Franley Julien donc on aime en pile là nous connait vidéo mio moi je suis avocat immigration qui travaille dans toutes 50 états américains aujourd'hui on vient avec une grosse nouvelle. Ces programmes de et ça relève humanitarian parole, parole humanitaire et que administration Biden a venu avec lui qui permettent que yon et monde qui aux États-Unis capable sponsoriser un monde qui vit en citoyen haïtien qui vit en Haïti pour permettre tout rentrer aux États-Unis. Moi dans pile parler qu'a fait même te voulais vraiment faire une vidéo côté que nous gain information précise pour que nous pas faire corvée et que tout le monde qui qualifié qui éligible pour lui et qui intéressé à programme là que yo ka prend avantage de programme là. Alors si vidéo ça va très courte mais la gagner trois parties là-dedans. Première partie là c'est qui est-ce qui ka un sponsor, avait dit qui est-ce qui ka sponsorise un monde, supporte un monde pour faire l'entrée. Deuxièmement qui est-ce qui ka bénéficier de programme là et troisièmement qui ça processus là. OK? Donc première partie là très facile. Et qui est-ce qui a décidé yon sponsor? Premièrement, il y a yon moun, il y a yon institution, il y a un business. Ou ka yon business qui a décidé la sponsorise yon moun pour entrer dans le programme là. Deuxièmement, sponsor ça, moun ça, il est capable un citoyen américain, il est capable un résident des États-Unis, il est capable un national des États-Unis, continuous, nous pas besoin d'entrer là-dedans. Il est capable tout yon moun qui gen asile ou bien qui gen TPS. Sou gen asile ou bien gen TPS ou capable
profiter de programme ça pour faire mon entrée. Il y a une question qui va venir en pile, est-ce que je suis obligé de faire taxe déjà? Non, ou pas obligé de faire taxe déjà. Il y a un avocat compétent connaît comment pour le faire pour faire qualifier comme sponsor pour faire mon entrée dans le programme là. Maintenant, il y a un monde qui gagne asile, application asile ou yo poko tandel, est-ce qu'on ka fè mon entrée? Non. Yon moun ki première fois ou aplike pou TPS, yo poko bon TPS, est-ce qu'on ka fè mon entrée? Non. Cependant, yon moun ki te gen TPS déjà, TPS ou expiré et ou ap renouveler TPS ou, yo considéré que ou in status et moun sa ou capable fè mon entrée. Maintenant, et une fois que ou réuni condition sa yo et comme sponsor ou pral fè application pendant processus application yo pral fè sa relé en vetting pour vetting nan c'est pour ki ça c'est pour wè est-ce que ou même ou pas poser un problème de un risque pour moun kwa fè entrée est-ce que c'est un pédophile ou ou essayer font ti moun entrée c'est gens de bay sa yo pour yo wè est-ce que moun sa sponsor sa pa gen ken problème d'ordre public avec application là maintenant et yon moun ka sponsoriser plusieurs moun depuis ou gen moyen financier pour ça et plusieurs moun tout ka met ensemble pour sponsoriser un moun si yon seul moun pa gen assez moyen financier pour ça comment ou déterminer moyen financier yo ou déterminer yo à partir de seuil de pauvreté a bon document pour ça que avocat yo connaît mais nan formulaire ça nan application ça yo gen tendance même le ou pas fin rivé satisfait seuil de pauvreté a yo ka rito passé parce que son bail humanitaire. Maintenant et l'autre bail qui important tout li pas important que moun nan se famille ou collier seulement dans application ou a dit qui lien nou gen est-ce que moun sa son bons amis est-ce que moun sa nou traité dans même quartier mais li pas obligé on membre famille ou ça c'est pour moun kap sponsorisé. Deuxièmement, on nous parle qu'on y a là de moun kap bénéficiaire. Bénéficiaire, premier bail là, faut son citoyen haïtien que lui. S'il pas citoyen haïtien, faut ses famille immédiate en citoyen haïtien. Ça, son concept juridique que lui est dans les États-Unis, qui ça est considéré pour application ça, famille immédiate. Famille immédiate là, c'est mari ou bien madame ou bien partenaire ou qui a vivre dans plaçage avec ou. On partenaire qui a vivre dans plaçage avec ou, li considéré comme famille immédiate. Et on ti moun petit ou qui poko gen 21 ans, li considéré comme famille immédiate de yon citoyen haïtien. Pour qui ça me fait distinction ça? Ça veut dire que ou même ou citoyen haïtien ou qu'on a déjà qualifié, mais ou marié avec une française en Haïti. Est-ce que ou ka française la ka vini? Oui, il est capable de venir parce que il fait partie de famille immédiate. Ou même tout qui a appliqué à faut si c'est ou qui applique en principal ou pas qu'a gagné double nationalité comme si nationalité on l'autre pays après Haïti ou pas capable résident on l'autre pays après Haïti ou pas qu'a réfugié d'un statut réfugié on l'autre pays après Haïti ou même qui en Haïti a capable de venir. Cependant et moun nan lui-même cap bénéficier de roi, ça veut dire que vous mariez avec une française, c'est sûr que vous même c'est bénéficiaire comme mon États-Unis capable appliquer pour vous, mais madame ou c'est française, madame ou capable faire application partout sous base que lui-même c'est française liée et que lui marié avec un citoyen haïtien. Maintenant, et il y en a un bail qui est important encore pour nous faire ressortir, c'est que citoyen haïtien ça que n'a parlé ou bien famille immédiate citoyen haïtien ça ou capable dans n'importe qui pays leur application a fait sauf les États-Unis. OK? Elle dit que yo pas ka aux États-Unis leur application a fait. Et m'a envie dit tout monde tout, m'a songe dit nous ça pas aller Mexique aller essayer traverser frontière. À partir du moment que programme ça a commencé, yo pral depuis yo prend haïtien parce que yo bon voie légale là qu'on y a pour venir si yo prend sous Mexique yo pral refoulou, yo pral vou aller et ou pa ka participer dans programme là encore. Donc li important pour nous comprendre ça, pas aller Mexique à partir de jodia parce que programme ça ouvert, nous ka bénéficier de un avenue légale. Maintenant, pour bénéficiaire encore,
si gon ti moun de moins de 18 ans faut que li voyager avec parent li. Ça dit soit mon app sponsorise un ti moun de moins de 18 ans faut que parent li a bénéficié de programme là tout autrement yo pap quitter le sorti. OK? Applicant principal là nous parlait de ça déjà, li pa ka et gen l'autre nationalité mais appli moun ki a bénéficié de programme là tout yo pa capable te déporté dans dernier 5 ans yo. Si ou t'es venu aux États-Unis et que tu t'es déporté dans dernier 5 ans yo, ou pas qu'à bénéficier de programme là. Si ou t'es venu aux États-Unis yo t'es déporté tout et que parce que avocat comme ça gen délai au déporté c'est pour 10 ans pour pas qu'à tourner gen délai au déporté c'est pour 20 ans et mais si ou t'es en déportation et que période là pour déportation à propos fini ou pas qu'à venir non plus avant période ça pas écoulé. Ça très important. Ensuite, ou a besoin un passeport valide, qui est un passeport haïtien pour bénéficier de programme là. Processus là, on y en a parlé de lui. Processus là, c'est premièrement sponsor la faire application pour. Deuxièmement, ou a besoin un email parce que yo pral écrire dans email. Dans email là, yo pral occuper à faire papier travail pour vous. Yo pral bon papier voyage et le voye papier voyage là pour li valide pour 90 jours pour ka vini aux États-Unis. Le qu'on y prend papier voyage là pour ka vini avec pour aux États-Unis et l'arrivée dans aéroport là ou bien n'importe quel que soit moyen ou utilisé à officier immigration li pral décider combien période a bon li mais majorité moun si c'est pas tout a gagné pour 2 ans parce que programme là c'est jusqu'à 2 ans mais officier a vle tout ça li gen on discrétion côté que le cardia moun sa pour raison ou l'autre pas bon li pour 1 an seulement mais c'est pas rien parce que son programme qui nous presque sûr pour le renouveler. Maintenant l'on vient dans pays aux États-Unis ou gagne un statut légal. Si ou vinn marié avec un monde aux États-Unis ou pas gagne pour retourner en Haïti pour que ou al faire résidence ou pas faire résidence ici aux États-Unis. Jodi a n'a fait vidéo ça le 5 janvier 2023. Programme là ouvert le 6 janvier 2023. Ça veut dire que à partir de 6 janvier vendredi 6 janvier 2023 application yo a commencé. Voilà. Et Franz Lee Julien avocat et qui t'a expliqué nous en détail comment pour 3000 migrants qui concerné avec plusieurs pays mais au qu'on est qui plus intéressé haïtien au capable rentrer dans pays Joe Biden non. Mais est-ce que ça que Joe Biden va faire là ou doit commencer faire là est-ce que c'est bonne nouvelle pour les haïtiens? Oui et non. Dit cabo bonne nouvelle parce que un pile moun toujours dit que pays a pas offri rien. Mais te dis que y a pas jamais travail pour offrir Haïti au bagay. Y a prêté tonne, c'est Haïti pour lever à terre là. C'est une raison qui faut regarder des monde ici. Y a pas ramassé d'essayer de fatra dans la ria. Mais y a le fait pour di good. Mais kou yo rive kay blanc y a le fait parce que faut la kay blanc propre. Et blanc lui-même, lui paye pour ça. Ça, c'est un. Non, bagay ça, bral gran pile moun ki bral gran moun. Parce que ge de moun ki pa vle d'essayer de moun ici, entre en dedans pays. J'aime dire en dedans pays, États-Unis. Pour qui raison? Parce que ge d'essayer de fou là et que moun n'ate qu'on a le fait pour Port-au-Prince. Ge de fou là et que moun n'ate qu'on a le fait dans ADO yo. Tout moun bral gada clair qu'on y a là que moun sa pa da bien vivre et li ta pito pa fil pour li ta ko même ko ta wal découvrir nan kere nan classe li bral vivre l'autre bois. Mais an nou kite ti dossier sa yo on a regardé réaction Joe Biden. Joe Biden a voyé haïtien tourner pendant plusieurs années, voyé tourner, regarder ces migrants gauche, migrants droite, moun ki entre illégal par Mexique, très décrié de la société haïtienne. Joe Biden besoin à l'élection. Joe Biden besoin de l'autre mandat 2024 m'en parlant. Et si que monsieur lui-même li pas mette de voile au propre pendant un an ak 6 mois ça yo li capable président encore. Et sauter popé haïtien qui vivent aux États-Unis
gen pile force dans élection. M'pa vle di que yo c'est majorité non. M'pa vle di que élection c'est sous dos que reposer non. Attention. Gen des moun k'ap voye monter, k'ap di c'est pas moun k'ap président non. Et non. Yo gen parce que États-Unis ni même c'est chaque grain de vote qui comptait et grain de vote là yo considéré li et y a besoin vote dans mais toute communauté. Quel te chinois, quel te mexicain, etc. Y a besoin de mettre tout. Et haïtien, y a un pile moun qui n'a pas ya. Donc, faut que range du côté des haïtiens, des vénézuéliens, des cubains, etc. Ça, c'est la première raison qui fait Joe Biden fait ça. Parce que monsieur besoin président. Deuxième raison, sous pas connaît ça, tout noté. Gen Coupe du Monde qui va organiser là en 2026. Pas seulement aux États-Unis, mais c'est de plusieurs pays et comme Canada, Mexique, États-Unis impliqués là-dedans et gen de l'autre pays encore que m'a trop songé que et Coupe du Monde là va dérouler la caillou. États-Unis besoin fini construit stade qui l'autre bois. Li besoin main d'œuvre pour capable permettre que stade là capable yo réussite. Et bien construit, c'est peut-être ça qu'elle. Parce que États-Unis lui-même, amis internautes, et c'est pas typiquement américain qui mettait le niveau ça, mais c'est plusieurs autres pays qui mettaient main ensemble qui fait États-Unis vin ça qui est là, qui fait c'est la grande puissance amis internautes. Gien l'autre raison encore, gien un pile monde qui mourit de COVID-19 aux États-Unis. Pi fort nan moun ki nan peyi a c'est grand moun ki yo actuellement là yo besoin des bras forts et des mains fortes pour permettre que eh bien États-Unis toujours kebe standard là américain pas besoin de problème avec ou tout autant que wa bal service et eh bien la PO li même li pas de problème parce que c'est nos pays là qui bral à l'œuvre. Il va voir dire c'est haïtien qui t'est entré dans pays qui t'est construit tel côté mais va dire ça c'est pour États-Unis que lié et c'est ça qui est plus important. Joe Biden font coup comme t'es tout dit nous ça t'es pas c'est menti. Joe Biden c'est Bailey Bailey. Regardez j'ai la ban visa pour 2 ans. Tentez votre chance parce que nous-mêmes nous capables eh bien et bénéficier de dossier ça. L'autre information amis internautes Pierre Espérance amis qui pas trop bon du tout. D'ailleurs, moi toujours dis ça, c'est notre pierre de désespoir. C'est sous pied ça, nous t'es campé pour nous te construire droit moun en dedans pays là. Eh bien pierre ça, c'est un pierre côté de toute espérance nous, espoir nous t'es rete sous lit, mais malheureusement, il fait gagot pâle. Et Marie-Hélène Gilles qui tenant RNDDH, réseau des droits des bandits, oh pardon, je voulais dire réseau des droits humains. Madame Nan, Péton Lobo avec Pierre Espérance, ou du moins Pierre Espérance, Péton Lobo, Madame Nan, pour affaire de COP Péton Caribé, pour te manger, valer à yon deux, et que, comme la te mal séparé, Marie-Hélène Gilles quitte Pierre Espérance, et là, le fait FJKL, qui c'est Fondation GPT Clairé. Eh bien, yo tous les deux, Léon Tena RNDDH, yo mette en de prison yon jeune garçon 28 l'année, Shelson Sano, en altan de avocat. Pour nous, pour qui raison? Et comment fait, yo fait, Shelson Sano fait 10 ans prison, c'est-à-dire que, moun sa yo qui dit ap résoudre, y ap régler de droit humain, c'est détruit, ap détruit droit yo. En al suivant ça, mal tende. Sano, et pour eux, au pays international depuis 10 ans. Maintenant, nous réunis là pour nous faire une mise au point et sous comment que Shelson Sano fait en de prison, ou du moins ce que nous avons utilisé le terme ça tout, kidnappé par M. Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles, qui empêchait que Shelson Sano juge. Shelson Sano, il a reproché de l'association des malfaiteurs et déclaration calomnieuse. En conclusion, juge là, il y a deux articles qui punissent ça. Article 224
du code d'instruction criminelle et 318 du code d'instruction criminelle. Chelson Sanon en prison, c'est par le biais de Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance. Chelson Sanon, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince à l'époque, Maître Benoît Saint-Ville, il était relé Chelson Sanon pour sacrer interrogatoire temps statif. C'est une séance que vous faites avant que mon nom juge, un jour ou deux jours avant. Le Chelson de la prison étant, il est extrait au vin dans le palais de justice là. 5-10 minutes, Chelson Sanon, ouais, Marie-Hélène Gilles, paraît. Il dit que automatiquement, il est n'importe ça, en parlant de biographie, avec le temps d'elle. Il dit Chelson, pour dire que vous interjetez appel. Mais à l'époque, Chelson avait 23 ans, qui n'est pas ni un avocat, ni le pas contre ouage système justice en Haïti. Pour lui, il pensait que Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance ont travaillé pour aider le sortir de la prison. Il arrivait directement devant le greffier, il dit qu'il interjetait appel. Mais le problème qui peut le gagner, ça c'est l'ordonnance de Chelson Sanon. Ordonnance non qui ça le dit. Le dossier allait pour devant un juge d'instruction. Automatiquement, les fin mené enquête li, li clos li bay ça. C'est soit ou li dit ou pral juger qui sont ordonnance de renvoi ou non lieu que ou pas gagné que pesé sous dos ka sorti. Chelson vin gen ça, yo dit li doit juger. Eh bien, voilà que le Chelson recevra ordonnance ça, il recevra aussi son acte d'accusation. Le délai imparti pour que l'État interjeté appel là, il tombe automatiquement. Parce que, automatique, il recevra ordonnance là avec acte d'accusation, il n'a pas interjeté appel encore. Le Chelson est en prison, il n'a pas jugé. Et ce n'est pas lui qui prend avocat, c'est RNDDH qui était bal avocat, monsieur vient changer de cabinet. Donc, votre serviteur nous fait partie du cabinet. Hein? Le vient prend nous, ce que moi me fais personnellement, j'étais voir le doyen du tribunal ou l'ex-doyen du tribunal à l'époque, qui c'est Maître Benoît Saint-Ville. Benoît Saint-Ville était, il n'est pas même gêné pour dire que Marie-Hélène Gilles était venu joindre le deal. Chelson interjeté appel. Je dis, magistrat, je ne sais pas si c'est moi qui parle après. Ou sont réunis dans le système, non? Chelson, ça, non. S'il interjeté appel, c'est pour le billet de son avocat. Ou madame Nick, tu as dit ça. Mais on tient personne pas qu'à venir pour dire que l'interjeté interjeté appel. Ce que moi je fais, parce que appel là, ce n'est pas les liens. Le tribunal de la cour est là. Moi, je rends moins dans le greffe la cour d'appel là. Greffe la bam ça, je vais lire pour vous. Certificat. Le greffe du parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince certifie et atteste par la présente qu'après les recherches effectuées dans les registres à se destiner, le dossier du dénommé Chelson Sanon n'est pas enregistré dans le registre du parquet de la cour. En foi de croix, ce certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit, fait à Port-au-Prince le 13 juillet 2020. Greffe la cour a dit Chelson n'a pas fait appel. Cela dit, automatiquement, il n'a pas fait appel. Chelson doit juger, genre que la loi m'a dit ça. Comme il y a deux articles qui dit que Chelson, ça non. S'il a le jugé, mais ça t'a qu'à réserver avec lui. Et ça fait nous-mêmes nous venir. Et comme étant donné que dans deux articles, ça y a parlé que l'association des malfaiteurs. M'appli, il y a un paramètre que côté juge d'instruction même demandé pour Marie-Hélène et ensemble avec tout notaire là pour être en prison ensemble avec Pierre Espérance. C'est ça qui t'a permettre que l'association des malfaiteurs a Kembe. Article ça a été à qui c'est 224. Je vais lire pour vous. Attendu qu'il en est de même pour la dame Marie-Hélène Gilles agissant
pour le compte de RNDDH lorsqu'elle a déclaré au cabinet d'instruction avoir reçu au service des plaintes de RNDDH le nommé Shelson Sanon, intitulé « Les dessous des enjeux politiques en Haïti ». Témoignage d'un ex-enfant soldat aujourd'hui, membre d'un gang armé, ce qui apparaît clairement pour tout un chacun qu'il s'agit de réflexions et de commentaires de RNDDH, ça c'est juste à Capali. De fait, à travers son employé Marie-Hélène Gilles, alors qu'elle l'a fait passer comme une plainte, attendu que s'il s'agissait, celle-ci aurait été transmise au cabinet d'instruction ou au parquet du ressort accompagné d'une lettre de couverture de l'institution RNDDH à laquelle Marie-Hélène Gilles appartient. Attendu qu'il est évident et clair que le notaire Ronnie Elbeaubrun et Marie-Hélène Gilles se sont fait complices des faits d'association de malfaiteurs et de dénonciation calomnieuse reprochée au nommé Shelson Sanon. Cela dit, pour Shelson Sanon, tu es directement et en la prison. Pour association de malfaiteurs, faut Marie-Hélène Gilles et tout notaire Ronnie Elbeaubrun te kabla. Mais automatiquement, le parlant, nous-mêmes, étant avocat monsieur, de revers de main à la barre ou au tribunal, nous t'avons jeté ça. Maintenant, comme étant donné que vous avez deux articles, je vais lire pour vous. 318 du Code d'instruction criminelle, qui dit que quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus. Réaction avocat et Shelson Sanon. N'a pas rappelé que c'est Pierre Espérance Selo Fednel mon chéri qui mettait lui en prison non pile bagaille pile tollé, c'est-à-dire que pas qu'à comprendre des séries de monde qui responsable des séries de monde qui responsable droit monde en dedans pays d'Haïti c'est yo qui marché pilonné droit monde et puis c'est Jovenel qui pas de bon. Y a marché pilonné pour droit moun et puis sorte de là y a toujours une plainte que pays a pas bon. Mais ça qui passe c'est nous même qui cause que pays a pas bon. Marie-Hélène Gilles a passé pour dire que et Shelson Sanon interjeté appel là. Et ben ça veut dire que lui même il pas dans bagarre encore, ça veut dire il pas dans affaire jugement encore. Et Marie-Hélène Gilles c'est parce que yo prend pour moun de confiance. Parce que la résout problème doit moun. Mais li regardez principe sa yo li viole yo. Et c'est peut-être ça me toujours dit en dedans société haïtienne nan. N'a toujours besoin yon l'autre renouveau. M'te prêché la 2022, m'a toujours prêché la quoi pour année 2023. C'est yon année pour mettre tout le monde qui pas brouillot dehors et ceci dans tous les secteurs. Nous besoin de visages nouveaux ou même qui c'est jeune ou gè talent ou gè capacité ou remet pays ou pas ta vle rete là si spon parti vin résoudre problème pays là. On mette mais ensemble pour combattre tout le monde ça yo qui crase pays a pendant toute année sa yo en mette main ou même qui toujours était pas en battable pour plonger mais pour dire ça pas bon seulement soit regarde ou sorti tête en battable là mettez visage devant caméra ma bon micro pour parler parce que pays d'Haïti pas arrêter comme ça on pas qu'on sou remarquer ça. Visitez toute channel qui est sur YouTube yo. Virer tout poste radio qui existait dans le pays d'Haïti. Limer télévision. Tout le monde sur le bagage qui a parlé. Pays a pas bon, pays a pas bon. C'est celle nous même qui est pas bon. Nous besoin l'autre sujet pour nous parler. Nous besoin l'autre dossier pour nous parler. Et pas tout de même moun yo Pierre Espérance, Joseph Lebert, décédé Ariel Henry, décédé de moun qui pas utile pays rien et pas comment bal utile pays encore. Nous besoin de nouveaux monde, de nouveaux bras pour capable construire pays d'Haïti. Donc, conseil moi pour matin là, mettez tête dehors.
Conseil moi pour matin là, sorti tête ou pour qu'a défendre pays ou. C'est pas blanc américain qui a fin faire pour. C'est pas blanc dominicain qui a fin faire pour. C'est pas blanc mexicain qui a faire pour. C'est au même haïtien du terroir libre et indépendant qui pour faire. 9 janvier 2023. Merci pour tout le monde qui t'a suivi moi. Pas oublier abonner, liker, commenter. Non pas c'est quoi si Jackin Love 2023 fois pirouille et puis coupé toujours même fougue là même énergie même tonus là même vibration hein? Zoa collé Foucault en suivant ça n'a pas l'autre fois mon Foucault. Politicien pas qu'à marcher. Ouai maman y'a qui te volé. Ouai moun salio machin pays.